Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Ghost Runner, un jeu édité par 505 Games, développé par One More Level. La sortie française, c'est le 27 octobre 2020. Le style, c'est un jeu d'action. J'ai déjà fait la démo qui était sortie durant le Steam Festival et j'avais adoré. Du coup, on va se refaire le début du jeu tranquillement et cette fois-ci, on aura les sous-titres en français pour un petit peu mieux comprendre au niveau de l'histoire. C'est déconseillé au moins de 16 ans parce que c'est violent, tout simplement. On est sur PC, mais il me semble que le jeu est également disponible sur un petit peu toutes les plateformes, et quand je l'aurai l'occasion, je vous présenterai pourquoi pas la suite du jeu sur PlayStation 4, en espérant que vous passiez un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la vidéo et la chaîne avec votre petit like. Dites-moi bien ce que vous pensez du jeu, moi je trouve que ça a l'air vraiment pas mal. On va mourir beaucoup de fois, on va kiffer beaucoup de fois, et surtout, let's go. I'll handle things from here on. You're alive. Can you hear me? They are already looking for you. Et déjà, on peut le dire, le jeu est toujours aussi beau, voire même plus beau que durant la démo. Et ça, ça fait plaisir. Allez, on est parti. Je connais un petit peu le jeu, donc normalement ça devrait le faire. Ce qui est bien, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y a les sous-titres en français. Du coup, pour ceux qui sont intéressés, pour suivre l'histoire, ce sera possible. Au niveau du jeu, encore une fois, je le précise, mais on a les paramètres à fond. Voilà. On a tout à fond. Je pense et j'essaye de vous faire un petit rendu aux petits oignons en 4K, etc. Et vous me direz ce que vous en pensez. Donc là je connais, hein, ça j'ai les fonds en démo, mais vraiment c'est vite une redécouverte ce qu'on va faire. Alors Just Us c'était LB, ça j'ai toujours eu peur dans ce passage là. Voilà. J'ai toujours eu peur, ne me demandez pas pourquoi. C'est le genre de passage que j'ai peur de louper. Alors on va voir différentes façons de jouer. On va pouvoir jouer comme ça, en sautant, en dashant. Après on aura d'autres pouvoirs, parce que voilà, ce que vous voyez là, c'est que le début du jeu. Et au fur et à mesure du jeu, eh bien on va récupérer des pouvoirs. Et plus on va évoluer, mieux on sera équipé pour affronter des ennemis. Et les mécaniques de jeu seront différentes aussi. Parce que c'est pas seulement vous affronter des ennemis, etc. Non, ça va évoluer. Là, si vous dites que c'est trop simple, ne vous inquiétez pas, plus tard, ça va être différent. Et encore, par exemple là, imaginons, si je me fais tuer, eh bien il faut recommencer la scène. C'est ça quand je vous dis die and retry, c'est-à-dire qu'on va mourir, recommencer. Oh, bah voilà, la preuve, voilà, j'en parle et je meurs bêtement. Le pire c'est que c'est assez dommage de tomber sur une phase de plateforme alors que tu réussis la phase de combat facilement, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, tout va bien. Vraiment c'est génial. Je trouve que la sensation de jeu, elle est top. Après, elle peut être frustrante pour les gens. Parce que oui, le jeu est vraiment pas simple du tout. Il va falloir beaucoup bouger. Pour ceux qui se demandent, je joue la manette. Mais je pense que les gens qui jouent clavier-souris, là, ils seraient aux anges. Parce que je pense qu'on peut faire beaucoup de combos assez différents. Voilà. Hop. Voilà. On est bien pour l'instant. On fait pas trop d'erreurs. Je suis assez content, à part l'erreur qu'on a faite sur la plateforme. Et ça, c'était une honte de ma part.
Hop. Voilà. Cette phase-là, elle est assez difficile à réussir. On va essayer. On va essayer de la faire en first run. On va essayer. Alors, si je réussis en first run, je serai très content. Mais elle n'est pas évidente. Je vous le dis. Parce que il faut tuer beaucoup d'ennemis. Et je trouve que... Voilà. Pour l'instant, ça va. Et voilà. Je vous le dis. Voilà. Lustre-moi ton épée. Aiguise-la comme il le faut. Parce que là, on va devoir les découper. Ces petits vauriens. Voilà. Moi, mon petit run, c'est ici. Hein. Limite, on a failli réussir tout à l'heure. C'est dommage. Voilà. Là, c'est OK. Ensuite, ici, c'est pas compliqué, normalement. Tu balances. Oh, j'ai failli pas l'avoir. Hein. Là, j'ai failli me louper bêtement. Hop. Là, c'est la glissade. On avance. Hop. Voilà, on esquive. Il sait plus où je suis. Et voilà, tranquillement. Ça sert à rien de se prendre la tête. Les esquives, ça va bien. Unlock-moi tout ça, s'il vous plaît. On va mettre son empreinte. C'est bien que je redécouvre un peu le jeu et les sensations que le jeu peut offrir. Et ça, franchement, c'est top. Bonsoir. Quelqu'un ? Ah, voilà. La fameuse manip. Hop. Le grappin. Maintenant, on va devoir mélanger le saut, le dash et le grappin. Mais normalement, ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. Il faut être positif. Dès lors que tu es positif, normalement, tout devrait aller pour le mieux. Et vraiment, je trouve que les mécaniques de jeu sont très très bien. Et encore, j'avais avancé un petit peu dans ma version preview qu'on avait filée. Et franchement, ça devient assez ouf par la suite. Wow. Là, je me suis un peu loupé, j'avoue. Hop là. Non, non. Oh, je sais pas où est-ce qu'il est. Le dernier est où? Ok. Non. Le jeu est vraiment très très gentil avec moi aujourd'hui. À la base, j'avais perdu, vous l'avez vu. Sauf que, bah, pour lui, j'ai réussi. Vu que j'ai tué, et vu qu'on s'est tué tous les deux en même temps, bah, c'est valide. Voilà. Donc, merci au jeu. C'est un plaisir de vous faire plaisir. Alors, il nous le dernier. Voilà. Lui, il s'est caché, petit malin. Mais moi, ça m'a surpris. Vu que je m'étais fait tuer en même temps, bah non. Ok. Bah, si ça passe, hein. Merci beaucoup, le jeu. Hop là, on met nos petites empreintes. Prisoner released. Free at last. Pleasure to meet you. Face to face, that is. Now, let's take a look inside. This may feel a little strange. Welcome to Cybervoid. Bah merci. Time to fix you up. Bienvenue à toi aussi. You can talk here, by the way. On va avancer pendant qu'il nous parle. Who are you? Où est-ce qu'on est? Je ne sais pas. J'avoue, la DA du jeu, je n'en ai pas forcément parlé. Mais je la trouve sublime. C'est, après, il faut aimer bien sûr le style, mais je trouve qu'on est dans un style très particulier. Et moi, je kiffe bien, franchement. Ça peut faire mal à la tête, mais moi, ça va pour l'instant. Je suis bien. Hop là. Alors ça, j'ai déjà fait aussi. C'est pour ça que je connais un petit peu. Parce que j'avais testé, comme je dis, on m'avait envoyé une démo spéciale, et ben j'ai pu tester. Voilà. Je sais même plus s'il faut passer par là. Ouais, on va tester. Je sais plus. Ah, par contre, j'avais un peu oublié. Mais au moins, ça vous fait une petite vidéo tranquille de voir comment le jeu tourne. Est-ce qu'il fonctionne bien? Là, j'avoue, ça fonctionne au poil. Il n'y a pas un lag, il n'y a pas un pet. Oh, je vais me faire avoir. Ouf, oh là là. Okay. Ça, normalement, ça devrait le faire. On peut y aller même assez vite. Et vous voyez comme il va vite. Comme il va vite, là, c'est où? Est-ce que c'est un PGM? Oui. Non, je rigole. Hein. C'est une blague. Mais pour une fois que je réussis quelque chose de bien, proprement, sans tomber du premier coup, bien, c'est appréciable. Après, je laisse parler le gars. Hein. Ceux qui sont intéressés par l'histoire, bah vous pouvez lire. Parce que si je devais me taire à chaque fois, ça serait un petit peu long. Voilà. Tant de soldats. Garde à vous, messieurs. Voilà, faites la révérence. Vous avez bien raison. Voilà. La DA du jeu, mais qu'est-ce qu'elle est magnifique. On dirait mes confrères, ça.
On dirait bien mes confrères. Peut-être qu'il le dit. Attention. Si. C'est bon, on a réussi. Hop là. C'est normal que ça pète comme ça, que c'est pas un lag. C'est fait exprès. C'est quand tu pètes la cellule. Après, j'aurais peut-être dû la péter avec mon sabre. Plutôt que de foncer dedans. J'avoue. Maintenant, je vais essayer la prochaine. Quand je vais tomber sur la prochaine, de donner un petit coup de sabre. Voir ce que ça fait. Plutôt que de... Que d'aller dedans bêtement. Alors, lui, il va où? D'accord. Je pensais qu'il allait arriver ici. Arrive. Ah. Je joue un peu le mariole, là. À vouloir aller trop vite. À un moment, je vais tomber. Et quand je vais tomber, ça va faire mal. Voilà. Vous voyez, ça passe un peu mieux. Une nouvelle plateforme. Hop. Faut pas avoir le vertige dans ce jeu. Quand tu vas d'en bas, ça pique un peu. Moi, ça va. J'ai un peu le vertige, on va dire IRL. Mais dans le jeu vidéo, bah, j'ai pas forcément le vertige. Ça va. Mais il y en a qui ont le vertige IRL et aussi dans les jeux vidéo. Donc ça va être un peu compliqué pour eux. Attention! Oh, ok. Je suis un peu loupé. Alors là, ok. Ça met la petite phase. Non! J'ai failli me faire voir. Est-ce que je peux sauter là? En fait, vu qu'on n'a pas de dash, je vais attendre. Je vais encore une fois lustrer mon sabre. On n'est pas pressé. On peut attendre quelques secondes. Je pense qu'il fallait quand même attendre qu'il revienne. Et voilà. Bonjour, monsieur. On dirait Octopus dans l'univers Spider-Man. Je suis sûr que tout le monde a pensé à ça. C'est sûr. Parce que ça me fait penser à Octopus. Il n'y a pas autre chose. Ah! C'est bon. Moi, je pète. Je pète les clés. Je suis le maître du temps. Voilà. Je sens qu'il était un peu bourré, là. En ce cas... Alors là, je suis un peu plus paniqué. C'est bon. On y est bien. J'avoue, si tu veux apprendre à utiliser soit ta manette, soit ton clavier et ta souris, bah ce jeu, il est fait pour toi. Par contre, si t'es pas bon pour ça, il faut oublier. Aïe. Faut y glisser. Bonjour. Quelqu'un m'entend? Non. Parce qu'il y a personne. Attention. 3, 2, 1. On saute. Our first stop is one of the few remaining Cybervoid mainframes. Ah, je l'ai pas vu. Merci bien. Alors. Oh, le grappin qu'on utilise. Il y a un petit plaisir qui va avec. La petite surprise du chef, tu vois. Nice. Et pour l'instant, c'est très accessible. Pour l'instant, bien sûr. Ce sera plus tard où ça le sera beaucoup moins. Là, je vous fais encore un petit peu de gameplay. Après, on s'arrêtera là, je pense. Moi, vous voyez que ça évolue assez bien. En fait, tout ce qu'on apprend, bah, il faut ne pas l'oublier. Parce qu'on l'aura besoin au fur et à mesure. Vraiment, c'est... Si vous dites, voilà, on a appris ça pour 2 minutes, non, non. Vous l'avez vraiment appris pour toute la partie. Hop. Nice. Voilà. Non, ça va. Je pensais qu'on serait un petit peu loin. Finalement, on l'est pas du tout. Alors, où est-ce qu'il faut aller, là? Ah, c'était par là. Unlock. Ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Bonjour. Est-ce qu'il y aurait une personne dans le coin? Là qu'on a rencontré personne, entre guillemets, de sociable. Ça manque un peu, ça. Moi aussi, je veux faire des amis. J'ai besoin d'amis. Oh! Celui-ci, il arrivait un petit peu vite. J'étais pas prêt. Alors, c'est pas là. C'est bien au moins, on nous dit indicateur, où est-ce qu'il faut aller, etc. Ça fait du bien. Je pense que c'est par là qu'il faut aller. Ouais. Tout va bien pour l'instant. J'aime aussi les ouïdes pas. Oui. Il m'en faut peu pour moi. Hein. Ouf. Eh ben non. Voilà. Les fois où je meurs, ce sera des fois
de plateforme. Ce sera même pas des combats vraiment, où je meurs. Là, c'est sur une phase de plateforme. Tout ce qu'il y a de plus basique. Je suis assez déçu. Pourtant, c'est simple, vous voyez. Ça me déçoit de me louper comme ça bêtement. Et bon. Ça, après, je pense que c'est bien pour ceux qui veulent speedrun les jeux. Ça, c'est vraiment c'est un jeu fait pour les speedrunners. Pour les gens qui n'aiment pas faire d'erreurs, qui veulent faire la perfection. Le jeu vous le propose. C'est soit tu t'arraches les cheveux, soit tu kiffes. Moi, je suis un petit peu entre les deux. Je kiffe, mais je sais qu'à un moment, j'aurai atteint mes limites. Hop là. On active tout ça. Ouf. Elle a failli me tomber dessus. Et on saute. Coup de grappin. Et on dash. Après le dash, vous pouvez rester appuyé, hein, bien sûr. C'est comme vous préférez. Mais t'inquiète, Zoé. Zoé, j'arrive. Ne t'inquiète pas. Je ne sais pas qui tu es. Oui, je suis réveillé. Oui. Alors, ok. Bouclier. T'inquiète pas. Hop. Tournicotis. Ouh, c'est dommage. On avait fait un petit tournicotis. C'était bien passé. Je suis un peu déçu. Non. Voilà. Là, par contre, j'ai réussi beaucoup moins bien. C'est passé, mais je suis déçu. Parce que, bah... Attendez. Vous avez compris. Maintenant, les ennemis, ils ont des boucliers. Faut faire attention. Voilà. Ouf, comme on l'a découpé, lui. Les mécaniques de gameplay sont en train d'évoluer. On va passer par là, plutôt. Je pense que c'est bien. Attention, joli. Après ces phases, hein, dès qu'il y a une pause, on s'arrêtera là. Je cours où, là? Ah, ok. Le bouclier était bien là. Oh non! Alors, où est-ce qu'il est, lui? Ok, il y en a qui est là, il y en a qui est là. Je pense que... Hop! Ouf! Oh là là, du premier coup en plus! On est chaud, les amis, on est chaud. Je suis assez content que celle-là, c'était pas une phase facile. J'aurais pu louper bêtement. Au moins, c'est bien que quand je vous avais proposé la démo, on n'avait pas pu voir tout ça. Ok. Et là, qu'on puisse voir du nouveau gameplay, bah, je suis content. Oh non, mais attendez. J'ai pas signé pour faire autant de gameplay. D'accord. Non. Ah. Voilà, j'étais... Non. Non, j'ai été sur le côté. Je m'en veux, les amis. On avait fait une belle petite phase et tout. C'était assez stylé, je trouve. Voilà, bah déjà, lui, ça c'est fait. Hop. Alors, toi. Et voilà. Ah, je suis déçu. Enfin, bon, ça va, c'est une mort. Mais j'aurais tellement préféré sans mourir. Tu cherches toujours à faire mieux. C'est normal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, il faut passer où maintenant? Là, je suis un peu perdu. Ah, peut-être là. Ok. On rentre dans le trou. C'est bientôt la fin, vous inquiétez pas. Dès qu'on a fini cette zone, ce sera la fin de la découverte. Bon, je passe par le dessus. Pourquoi passer en dessous? Oh. Déjà, lui, il a un bouclier. Ok. Ah. Ça va, je suis à cover. Voilà. Non. C'est bon. J'ai la mécanique. La mécanique du cœur. Alors, le bouclier, il est où? Il est là. C'est bon. Et le petit dernier. Le petit dernier, c'est souvent celui le plus difficile. Parce que c'est celui... C'est bon. Du premier coup. C'est celui où tu te dis... Bah, c'est le dernier. Et tu te mets une pression en monstre. Pourquoi on est bien? Franchement, je suis très satisfait du gameplay que je vous propose. Au début, j'étais un petit peu rouillé. Mais là, j'ai commencé à récupérer un peu de niveau sur le jeu. Ma vraie déception, ça aurait été au niveau des plateformes. Eh bien, vous savez quoi?
Je pense qu'on va s'arrêter là. On avait vu évidemment de gameplay. Personnellement, j'aimerais bien vous en proposer encore plus, mais j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, en espérant que vous ayez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. En plus, on a tout ça à gravir que je me ferai une joie de faire hors vidéo. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut!